Alors, ne vous inquiétez pas, le concert n'est pas encore terminé. Alors, on va continuer dans la série des grands hommes. Cette fois-ci, il s'agit d'un poète, français, assassiné pour excès de finesse, de grandeur d'âme. Il s'agit de Monsieur Robert Brasillach. La prison de Fresnes, ils ont scellé mon sort. Une mort certaine et le déshonneur. Non, je n'ai jamais mis l'habit d'un ennemi, car moi je n'ai suivi que mon cœur. Je sais qu'on me condamne à passer par les armes à cause d'un idéal supérieur. Mais je n'ai pas trahi le peuple et mon pays, car moi je n'ai suivi que mon Je revois ce que j'aime, la France du courage et du labeur. Des âmes sans espérance, esclaves de la finance et du matérialisme de malheur. À leur promesse d'un misérable bonheur. Sur la voie héroïque, c'est un destin tragique pour ceux qui ne suivent que leur cœur. Dans la prison de Fresnes, c'est le dernier poème. Je partirai sans haine ni remords. André Chénier, mon frère, décapité naguère, parce qu'il n'avait suivi que son cœur. Juste pour plaire à Staline, c'est de Gaulle pour sa propre grandeur. Alors je prends la mer comme le héros d'Homère, car moi je ne suivrai que mon suivrai que mon